Gardienne, le chef d'orchestre a dévié le flux de radiolaire vers le noyau de la planète. Nous connaissons son objectif. Maintenant, nous devons découvrir sa stratégie. Un contingent de la Légion de l'Ombre semble s'intéresser au plan de Sundaresh. Nous ignorons quel est leur but et d'où viennent leurs ordres. Vous devez les prendre de vitesse.
émettre des suppositions quant aux motivations de la Légion de l'Ombre. Mais nous avons vu des alliés sublimés dans le réseau Vex. Une immense force de volonté est nécessaire pour conserver une identité distincte à l'intérieur de celui-ci. L'écho confère cette force de volonté. Nous en avons été témoins en présence du chef d'orchestre. Et nous avons déjà arrêté des incursions psioniques dans le collectif Vex de Nessos. La Légion de l'Ombre veut la même chose que nous. Gardez la terre. Thank you.
Sundaresh crée des pluralités à l'intérieur des esprits Vex, implantant ainsi un concept d'individualité dans son collectif. Jusqu'à présent, chaque collectif Vex était guidé par un esprit unique et agissait à l'unisson. Maya a transformé un collectif en communauté. Cela les rend imprévisibles. Nous devons adapter nos tactiques en conséquence. Gardien à terre. Cet esprit Vex fait office de protecteur pour le noyau de la planète. C'est une réponse immunitaire à la Légion de l'Ombre. Intéressant. À 59, avez-vous réussi à contacter l'équipe 97? Leur chioma s'occupait des statistiques d'Aisy. Avertissez-moi immédiatement si elle vous répond. Je commence à m'inquiéter.
des bâtiments d'Ishtar, ici? Les Vex construisent-ils des installations en s'inspirant des souvenirs de Sundaresh? La familiarité est réconfortante, et les Vex n'ont pas d'autre choix que de lui obéir. C'est Maya tout craché.
Maya, 65. Les niveaux de déperdition se maintiennent pour Sundaresh, Shim, Dwayne McNiad et notre camarade singulier. Seuls les Shioma disparaissent. On a perdu quelques Sundaresh et bien trop d'Ezi. Si cette tendance continue, on risque de perdre tous les Shim et les Dwayne McNiad. Votre Shim est sûrement en train de proférer des obscénités dans un coin, comme le mien. Allez lui parler. On ne doit pas céder au désespoir. Test de fidélité. Quel nom avons-nous donné à notre fille ? Quoi ? Maya ? Quel nom avons-nous donné à notre fille ? Où es-tu ? Que se passe-t-il ? Je t'en prie, Maya ! Quel nom avons-nous donné à notre fille ? Nissa. Dis-m'en plus. On a hésité pendant des semaines. L'incubation parthénogénétique progressait bien au labo. Puis il y a eu la chute. Tout s'est passé si vite, on a dû s'enfuir. La latence de la réponse dépasse les limites acceptables. Démagnétisation de l'exo-esprit. Non ! Osiris, j'ai lu vos rapports sur Neptune. C'était Shoma Ezi. Qu'a donc fait Maya ? Elle cherche quelque chose. Elle utilise Shioma comme référence pour retrouver notre âge d'or parmi les simulations. C'est horrible. Et j'ai bien peur que ce ne soit que le début. Sundaresh a amassé une force Vex colossale. Pour le moment, nous ne pouvons que retarder ses plans. Gardienne, profitez-en pour frapper.
Sundaresh ne se contente pas de commander les Vex. Elle est en train de prendre le contrôle d'un collectif tout entier, en se servant du radiolaire pour fouiller le réseau de simulation Vex. D'après elle, notre âge d'or existe forcément à l'intérieur de celui-ci. Et Shoma ? Elle n'est qu'une façon d'arriver à ses fins. Un outil pour mesurer la réalité. Un cœur pesé contre une plume. Maya pourrait-elle trouver ce qu'elle cherche ? Je l'ignore. Et ce n'est pas ce qui me préoccupe. La véritable question est : que se passera-t-il si elle y parvient ? Retournez au Simu, gardienne. J'ai besoin de temps pour analyser ce que nous venons de trouver.